Pas peu fier de cette idée. Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Aujourd'hui, découverte d'un instrument de musique. Je pense que tout le monde connaît le son de ce délicieux instrument, qui est l'accordéon. Cet instrument qui fait soit penser à un cliché de Paris, mec, moustache, marinière, béret, pas plus cliché j'avoue, soit les fêtes que nos grands-parents faisaient il y a genre 60 ans, les bals musettes je crois ça s'appelait, ce genre de musique, où ils dansaient des trucs tout mignons entre eux, ou alors un peu moins glamour, un mec qui va jouer de l'accordéon dans le métro et qui va te demander des thunes après. Et c'est le cas le plus fréquent qu'on rencontre en général. Pour apprendre l'accordéon, qui est un instrument que je ne connais absolument pas, je tiens à le préciser, je me laisse 24 heures pour savoir jouer vite fait un truc avec. On m'en a prêté deux, un taille enfant, au cas où pour démarrer si ça peut m'aider, et un beaucoup plus balèze, vraiment plus stylé, celui-là. Les deux accordéons m'ont été prêtés gracieusement par le père d'un pote, qui s'appelle Roland. Je veux tous les jeux de mots les plus nuls en commentaire par rapport au prénom Roland, mais de préféré étant Roland Culé et Roland Pader. À vous de jouer. Alors, j'ai testé, bon je vous mens, j'ai déjà fait l'accordéon. Roland m'a fait tester, j'ai dû en faire à peu près 2 minutes. Il m'a montré au moins que ça se bruit délicieux. Il m'a au moins montré que ça se tenait comme ça. Il y a les notes ici et là. Il faut savoir que l'accordéon est un instrument à vent. Et qu'en fait, s'il est comme ça, c'est que là, tu cales de l'air. Et genre, tu fais des mouvements comme ça pour faire du... Waouh, explication super précise. On regardera après sur Wikipédia comment ça marche pour de vrai. Alors attends, fais voir. Oh mais c'est trop mignon, comme c'est pour les bébés, il y a les notes qui sont notées. Attends, du coup, si je fais genre... Do, ré, mi. Ah merde, il faut peut-être que je cale ça, moi. Yes. Hey. Oh, stylé le son là. Bah, les deux boutons font exactement la même chose. Bah, jusque là ça c'est facile. C'est ça en gros, la main gauche j'ai l'impression que ça fait des accords. Et à droite ça fait des notes à l'unité, regardez. Démonstration au clair de la lune apprise en 1 minute sur ce truc. En vrai, eh, ça va, au moins j'arrive à sortir des notes. Mais le défi que j'ai envie de me lancer, tu sais quoi? Bah, c'est du coup me laisser 24 heures pour savoir un peu en jouer, mais surtout réussir à faire le morceau, putain je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est la valse d'Amélie Poulain. C'est un film qui date un peu, mais qui est assez classique, la mélodie elle est franchement connue, ça donne genre ça. C'est Amélie. Amélie Poulain. Et vous voyez qu'il y a un accordéon dans ce truc, donc je pense qu'en vrai ça a pas l'air très compliqué, ça fait pom ta tam pom ta tam pom ta ta, et de l'autre côté il y a la main qui fait note. En fait c'est un peu comme au piano, j'ai l'impression qu'il se joue. Je pense que celui-là on va vraiment le laisser de côté parce qu'il est vraiment pas ouf. C'est le moment de passer au vrai accordéon. Attention mesdames et messieurs. Regardez le bordel que c'est celui-là quoi. Il est énorme. On me voit à peine, je suis tout caché derrière, tu sais. La languette par-dessus. Ensuite, Roland, il m'a dit, tu le cales comme ça. Il faut que tu le mettes juste sur une jambe. La main gauche pour faire les accords. Et ça, pour les petites notes à côté. Vous voyez comme c'est beaucoup plus compliqué que l'autre, c'est abusé. Hein. En vrai, il est vraiment gros, c'est vraiment stylé. Il m'a dit aussi, tous les boutons sur le côté, c'est pour faire des modes différents. Écoutez, là, le premier est enfoncé. Si je mets ça, ça fait plus grave. Ça, ça fait... Ça, ça fait vraiment le son de l'accordéon à l'ancienne. En vrai, il y a moyen de bien se marrer, je pense. Et à gauche, du coup, cette main, c'est... Bah, c'est des accords parce qu'il y a plein de notes qui sortent à chaque fois. Putain, ça doit être tellement complexe à l'intérieur. En vrai, c'est abusé. En fait, c'est facile que ça ressemble à quelque chose parce que comme ça fait des accords tout seul, t'as rien à faire. Et ensuite, après, j'y connais rien. Voilà. Il y a des notes blanches et des notes noires. Il y a moyen qu'il y ait un délire commun avec le piano. Je l'ai passé. Stylé. Bon, au moins j'arrive à faire au clair de la lune à l'accordéon en 10 minutes. Et c'est lourd, en vrai. Le bordel, t'es ce beau jogging, yes! Le bordel, il doit peser 4-5 kilos, je pense qu'en vrai, quand tu joues debout, ça doit être fatigant à la longueur. Je vais bouger du canapé et retourner devant l'ordi, manière de me mettre un petit tuto pour apprendre à faire de l'accordéon quand même, hein? Zou! En vrai, en me levant, j'ai trouvé un bail, écoutez. Hé
En vrai, c'est stylé. On va définitivement regarder un tuto pour voir comment ça marche tout ça. Et voilà, nous voilà de retour. Disposition ordinateur. On est sur YouTube. Sur YouTube, qu'est-ce qu'on tape? Tuto accordéon. Cette recherche. Et là, d'abord, je veux vraiment comprendre les bases de l'instrument. Parce que si on sait pas ça, ça sert à rien. Vas-y, à tout moment, si je tombe amoureux de cet instrument, je me crée une chaîne YouTube de tuto d'accordéon. Est-ce que vous êtes chaud, les Felkinators? On se retrouvera tous les dimanches comme ça, là. Je vous expliquerai un peu d'accordéon. Comme ça, c'est pas magnifique. Regardez, comprendre la logique des claviers d'un accordéon chromatique. Alors, sur un accordéon chromatique, il y a deux claviers. Ça, jusque-là, on suit. Ok, alors, vu le nombre de touches, ça, c'est la main droite et ça, c'est la main gauche. Par contre, c'est foutu d'une disposition super bizarre. En plus, l'image, elle est floue, super. On travaille pas dedans de bonnes conditions, je te le dis, moi. Donc, du coup, si je veux faire Cendrillon de téléphone, je me rappelle, les accords, c'est facile. C'est La, Mi majeur, Fa dièse mineur et Sol. Ça fait que ça va faire Cendrillon. Attends, merde, je me perds avec cette main là, comme c'est des diagonales dans tous les sens, j'arrive pas à trouver. Bon, vas-y, on laisse tomber Cendrillon. Putain, du coup, faut faire trois trucs en même temps. T'as la main droite, t'as la main gauche, et en même temps, faire le mouvement comme ça. C'est chaud en vrai comme instrument. Et je sais pas si vous remarquez, mais quand j'en appuie sur une, ça en fait lever une autre. Que je fasse ça ou ça, c'est la même chose, donc je peux jouer comme ça, comme ça. Ok, je capte un peu le délire. Et pff, ça va être un bordel. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Les notes, ça fonctionne. Do, ré, mi, fa. Quoi? Ah, mais c'est même pas enchaîné. Du coup, ça fait pas genre do, ré, mi, fa, sol, machin. Ça fait... Et après, tu reprends tout. Je pense que j'y arriverai seulement si je joue debout de cet instrument. Est-ce que je peux me vloguer en jouant comme ça? Je suis pas fière allure comme ça, là, moi. Avec ce beau sourire tout blanc, yes. Je pense qu'on n'est pas tout de suite prêt non plus pour aller dans la rue et gratter quelques pièces aux gens. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'au bout des 24 heures, je sais rien si je vais réussir à maîtriser le morceau dont je parle là. Mais au pire, je vais dans une autre vidéo ensuite essayer de faire une musique avec l'accordéon. Ça, en vrai, ça peut être marrant. Bon, allez. En gros, la mélodie, je la connais. Voilà, un truc comme ça. Par contre, là où je vais moins faire le beau, c'est cette main. Mais déjà, au moins, on a la base. Faut pas que j'oublie aussi de faire ce mouvement. Bon, après, le ta-d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 a, pour ceux qui connaissent le morceau, on va pas le faire. Déjà, si j'arrive à faire cette boucle, ça sera franchement cool. Ok, j'ai le premier accord. Bon, eh, y'a un truc. Voilà. En vrai, c'est ça. Par contre, y'a tellement de boutons, je vais me perdre à chaque fois si jamais faut que je me balade en haut et en bas comme ça. Si je me cale debout, je serai tout flou, mais c'est pas grave. Les gars, on laisse tomber la musique électro, on laisse tomber les musiques pour Thibaut InShape, on laisse tout tomber. On va faire de la musique de balle musette maintenant. Vas-y, et ça s'ouvre jusqu'à où au maximum, un truc comme ça? Ah putain, il faut forcer en vrai, hein. Putain, c'est lourd. Mais regardez comme c'est grand. Il m'a montré un bouton aussi. C'est là, t'appuies là. Regardez. Tout fermé, tout rikiki. Il faut que je maîtrise cette main de la mélodie, les accords, réussir à combiner, et voilà. Oh! J'ai presque réussi l'enchaînement, mais c'est trop dur, ça va trop vite. Hein. Les mecs sont chauds en accordéon, ils ont une dextérité, ça doit être impressionnant à voir. Vas-y, attends, j'ai jamais regardé un mec accordéon master, un mec trop chaud en accordéon, comment ça joue? Extrême accordéon skill, voilà, parfait. Là, c'est ce que je veux devenir au bout de 24 heures. Je comprends même pas ce qu'il fait avec la main gauche. Ça sert à rien, hop! Bisous, je vous le laisse. Je me casse. Vous pensez vraiment que j'abandonne si facilement? Regardez ce qu'il fait l'autre russe là. Il est sûrement russe pour être si fort. Je vous le fais avec ça, moi, écoutez.
qu'est-ce qu'il y a? Ah, peut-être pas prendre en référence un extrême accordéon skid. Putain, mais il se balade à une vitesse, c'est stylé. Regardez combien ça vaut par curiosité. 3000 balles? Ah ouais, faut pas que je fasse de la merde avec en vrai. Ouais, coco, en même temps, c'est pas déconnant. C'est tellement lourd et tellement compliqué. 3500 euros? Et ça, je peux le mettre en titre direct. Accordéon 3500 euros versus accordéon 1 euro bébé. J'ai rigolé comme un puceau, c'était rigolo. Alors, je vais m'entraîner tout seul pendant un petit moment. Je vous retrouve lorsque j'aurai fait quelques progrès. A tout de suite. Few moments later. Je filme vite fait là avec cette caméra. Je me le suis fait tourner 2-3 fois là. Les accords passent quasiment, écoutez. C'est encore un peu chaotique, mais vous voyez qu'on se rapproche de réussir à enchaîner les 4. Quand j'arriverai à enchaîner les 4 vraiment méga clean, à ce moment-là, je pourrais voir pour essayer de caler la mélodie par-dessus. Mais putain, pff, c'est long, hein, pololo. One eternity later. Pouah, j'en ai ras le cul, là. Je viens de me faire une session d'au moins pendant une demi-heure à faire un pum pim 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 pim. Je pense que je vais plus jamais pouvoir écouter cette putain de musique. J'ai 2 heures de pratique d'accordéon pour l'instant. Je suis encore là d'ici 24 heures, mais c'est plus que ça va être sacrément chiant, putain. 24 hours later. Yes. Il est pas magnifique cet outfit, mes Felkinator. Je ferme la porte parce que je fais beaucoup de bruit. C'est que je peux même pas trop rigoler parce que la moustache elle est tellement collée aux joues que ça me fige la gueule, tu sais. T'as avant de parler musique, on peut pas parler de cet outfit. Ce béret magnifique, il faut savoir que la marinière, si elle est un peu short, c'est parce que c'est un pull de ma meuf parce que moi j'en avais pas. C'est pas incroyable ça. En vrai, là le perso il y est, là y a pas à chier. Mais alors pour réellement réussir à faire Amélie Poulain, là il y a un peu de boulot par contre. Bon, vous avez bien compris, ça je le maîtrise maintenant. À peu près. Vous voyez, on y est presque, cette partie. On y est quasiment. Je pense pas que je vais réussir à enchaîner les 4. Je pensais que la tenue m'aiderait à mieux me débrouiller en étant dans le mood français, la baguette. Mais ça m'aide pas tant que ça. C'est peut-être le problème de la moustache. Cette moustache ne me va plus. Attends. Oh non, c'est vachement collé. En plus, j'ai des poils en dessous, moi. Oh non, non, non. Oh putain. Ah, waouh, waouh, waouh. Ça, j'ai aucune allure. Peut-être qu'il faut faire comme les meufs quand elles épilent, faut tirer d'un coup. Ça, j'ai trop peur de m'arracher la moustache en dessous pour de vrai. Ah putain. Ah, j'ai pas prévu ça, moi. C'est pas une sirène d'alarme, ça? Rigolo, à utiliser dans une musique. Ah putain, allez, je voulais changer de moustache, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Quasiment. Pas. Regarde, on va la coller ici pour l'instant. Elle est pas magnifique cette belle moustache comme ça. Ça va bientôt faire un jour que je suis dessus. Moi je me dis qu'en un jour, j'arrive à faire la moitié et j'arrive à faire 2-3 trucs. Oh, vous vous rappelez de Michel Tello? Yes! Conclusion de ce que j'ai réussi à apprendre en un jour. One shot. Genre, si je fais de la merde, tant pis. Bon, en vrai, je pensais que j'arriverais un peu plus facilement. Je comprends pourquoi ça s'improvise pas du jour au lendemain, l'accordéon. Ce qu'on va faire, c'est que moi, ensuite, là, je vais essayer de faire une musique avec cet accordéon. La vidéo sera disponible mercredi. Oh, attends, je peux pas faire une conclusion sans moustache, moi, qu'est-ce que je raconte? Je reviens tout de suite, je reviens pour de vrai. 1 minute 37 seconds later. Voilà, là, je peux vous parler comme ça, baguette, baguette, croissant. Conclusion avec le bébé, très peu utilisé au final. Donc, ce qu'on fera, c'est que je vais essayer de faire un son moi ensuite à partir de son accordéon. Bon, pas uniquement à partir de trucs d'accordéon, mais réussir à incorporer des sons d'accordéon. La vidéo sera disponible mercredi. Je vais essayer de faire un truc un peu vénère, genre bass house, un truc un peu genre...
J'espère que la vidéo découverte de cet instrument vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas et lâchez un petit like. Mettez en commentaire le nom d'un autre instrument que je pourrais découvrir. On se retrouve mercredi et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement vôtre.